Salut à tous et à toutes, c'est Balzéphone et bienvenue dans un nouvel épisode des Sims 4. Épisode numéro 22 sur ma chaîne. Il y a quelques trucs qui se sont passés entre temps parce que j'avais déjà enregistré l'épisode 22. Hier. Mais hier j'étais malade. En fait, hier c'est avant-hier pour vous quand vous regardez cette vidéo. Mais j'étais malade. Donc, l'épisode était honnêtement chiant. Je l'ai regardé, il était pas génial, j'en étais pas fier. Donc je l'ai supprimé et j'ai décidé de le réenregistrer. Là on est hier soir pour vous. Donc j'enregistre ça, il est 9h du soir. Donc je suis en bosser jusqu'à 2h du matin pour vous ayez cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Mais je suis toujours malade comme un chien. En fait j'enregistre ça le jour où j'ai posté sur Twitter la photo où j'étais genre malade. Mais j'ai pris des vitamines. J'ai pris des vitamines vers 4h de l'après-midi pour booster mes défenses immunitaires. Et là je me sens bien, je suis en forme. Donc, je réenregistre l'épisode. Ce qui s'est passé dans le dernier épisode, il s'est pas passé grand chose, ils sont encore restés à la maison. C'est pour ça que je voulais réenregistrer, parce que je veux qu'ils sortent. Je veux que vous ayez des épisodes intéressants. Et là, ça n'est pas intéressant. Et j'ai une suggestion dans les commentaires que quand on arrivera à 100 000 Simflouz, si je pourrais recréer une toute nouvelle maison pour Naoki, Courtney et Chelsea. Et c'est ce que je vais faire parce que cette maison-là, je vous avoue que le salon, je suis pas super fan. Je suis pas super fan du tout en règle générale. Je trouve que c'est mal foutu. C'est une jolie maison. Mais c'est pas la maison que je veux pour Courtney. Donc sûrement, on va sûrement gagner assez d'argent dans cet épisode-là. Donc je ferai sûrement une construction demain. Et donc vous aurez un speed build après-demain. Enfin demain, donc aujourd'hui, pour vous, aujourd'hui je vais faire une construction et vous aurez un speed build demain. Donc demain vous n'aurez pas d'épisode du let's play. Parce que je vais sûrement passer genre 4 heures à faire une construction. Parce qu'elles sont très longues les constructions. Parce que cette maison, elle est chouette mais elle commence à me... Il y a des trucs qui me plaisent pas, comme le fait que là, c'est genre super méga foncé, etc. Donc, on va commencer à jouer. Chelsea a super faim. Courtney va se réveiller. Je sais qu'il est un peu tôt, mais elle va se réveiller. Elle va y nettoyer ça. Maître Chelsea, là, elle peut pas lui donner à manger. Oh, t'es occupé hein. Plus maintenant, bitch. on va lui donner à manger. Je suis super en forme, je suis trop content. J'étais d'une seule humeur toute la journée. Genre, bitch, genre... Vraiment, toute la journée, j'ai commenté, j'ai regardé Teen Wolf, j'ai presque fini la saison 3, yes, là, elle est trop bien PS, c'est un peu le bordel, il y a trop plein de trucs qui se passent, mais elle est vraiment bien. Il faut que t'ailles chercher ta fille, par contre, il faut, tu sais, genre, pour la mettre dans la chaise haute. Alors, qui a travaillé aujourd'hui? Je me rapproche un peu parce que j'ai pas mes lunettes. Pour ceux qui se demandent comment je ressemble avec mes lunettes, je ressemble à ça avec mes lunettes, mais j'aime pas parce que vous voyez tous les reflets que j'ai et je les aime pas du tout. Je les porte jamais, je porte toujours des lentilles à la place, donc. Naoki travaille. Courtney travaille. Ok, on va faire. Dans ce cas, on va enregistrer 2 jours. Aujourd'hui, ils vont aller tous les deux au travail. Elle est passée niveau 10 dans le dernier épisode. Chelsea a aussi appris pas mal de compétences dans le dernier épisode. Maintenant, elle peut être sur le poteau de salle, etc. Mais pourquoi tu l'as enlevée de sa chaise? Elle devait manger. Ok, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Bitch, va manger fucking par terre. Va manger par terre parce que basta. Elle est genre tranquille. Elle prend son assiette. Elle va manger sur le carrelage. Et on va... Courtney, elle va prendre un petit déjeuner pendant que Chelsea va manger je ne sais où. C'est genre trop pas safe. Elle va prendre une portion du... C'est un crumble aux fruits. Oh, elle mange là. Ouh, on va manger à côté. C'est cute. Yeah. Oh, il y a de la musique. On l'entend pas de loin. C'est mal foutu dans les Sims 4, la musique. Soit elle est trop forte, soit elle est pas, c'est pas. Elles vont manger tous les deux tranquillement. Chelsea, elle a pris un petit skate Sim City. Donc, Naoki va aller prendre... Prendre une douche, non, il va prendre une pisse dans les toilettes, ça fait absolument rien dire. Et il va aller manger aussi, il va aussi prendre du cheesecake. Cheesecake power. Regardez Chelsea qui range son assiette toute seule. Et on va apprendre à Chelsea à marcher. Parce que c'est vrai qu'on lui a pas encore beaucoup appris à marcher, on lui a appris à parler, mais marcher c'est pas comme ça. comment on fait? On peut pas. Elle a pas ça, genre les fonctions motrices comme compétences. Mouvement. Ces compétences, n'importe quelle sont sur les compétences mouvement, n'arrête vraiment pas de bouger. Améliorez-la en vous promenant, en construisant des choses avec des cubes de construction, en dansant ou en jouant au catch avec des adultes. Ouh, d'accord. Ok, bon, elle va lui apprendre la communication pour l'instant parce que c'est le truc qu'elle apprend en ce moment. Toutes les compétences vont jusqu'au niveau 5, donc plus très longtemps avant qu'on fasse grandir Chelsea, je suis trop pressé. Je sais pas si Naoki et Courtney vont avoir d'autres enfants. Pour l'instant, je suis content avec Chelsea, sauf que leur vie est déjà bien remplie. On verra par la suite. Peut-être qu'ils auront d'autres enfants, peut-être pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'ils aient un autre enfant. Et ce qu'on va faire,
Naoki part au boulot dans 5 heures. Il a du temps pour faire des trucs. Et donc il va. C'est bientôt son anniversaire aussi. Son anniversaire dans 6 jours. Ah oui, ce que je vais essayer de faire, c'est. Je vais essayer de régler votre problème avec. Pour les gens qui voient pas leurs Sims en ville. Je sais que ça a été un gros problème pendant les derniers épisodes où il y a des gens qui ont envoyé des Sims et ils les voyaient jamais et ça les saoulait et je suis désolé. Ce que je vais essayer de faire, c'est. Modifier un peu les foyers actifs, genre remuer un petit peu le tout pour que vos Sims viennent aussi. Excusez-moi, je viens de manger. Donc je ferai sûrement bientôt ça. Pourquoi il dit que c'est. Pourquoi il trouve que c'est sale? Cause de ça? Même pas. Bon. Peu importe. Il va aller tout récolter. Et je pense que ce qu'on fera au passage pour le speed build, c'est qu'on va changer de terrain pour avoir un terrain plus grand, pour que j'ai plus de liberté. Parce que c'est vrai que ce terrain, pour une aussi grande maison, c'est un peu petit. Donc, et je veux qu'ils aient une maison de bonne taille. Il va tout récolter, il va tout arroser. Et puis je trouve qu'ils ont pas assez de trucs dans leur jardin. Surtout que j'aimerais bien pouvoir acheter les add-ons pour les Sims. Mais bon, ça je peux pas le faire tant que j'ai pas vendu de dessin. Ce qui devrait bientôt arriver. C'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent que je vende mes dessins. Ça va bientôt arriver, vous inquiétez pas. Ça bientôt fait. On va genre tous pouvoir avoir des fanarts des uns des autres. Mais ouais, cette maison est sombre. Genre elle est sombre de partout. Genre. Parce que j'ai construit pièce par pièce, donc il y a des pièces qui vont pas vendre avec le reste de la maison. Là, j'aime pas, je trouve que c'est foireux. Et ça me pose un problème depuis un petit moment, mais j'avais pas changé parce que c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant qu'il va vendre ses fleurs, on va regarder pour lui améliorer une compétence. Je vais voir, elle avait combien en bricolage. Brico quoi? Il a même pas de points. Il a même pas de points en bricolage. Bam! C'est pas grave. Ah non, de toute façon, je m'occuperai de la compétence bricolage en masse et murder. Parce qu'en fait, je voulais aller dans la mine, dans la ville du désert, vous savez, je voulais aller dans la mine qu'il y a là-bas. Mais ça, on fera dans la série murder. T'as fini de lui apprendre, t'as arrêté? Continue de lui apprendre, elle veut plus, comment elle se sent? Elle est heureuse parce qu'elle est reposée et parce qu'elle a bien mangé. Elle a envie d'aller. Ouh, elle va aller sur le pot, elle va. Non. Attends, Chelsea. Courtney va lui apprendre à aller sur le pot parce que j'ai l'impression que ça va plus vite quand il y a un adulte pour l'aider. Donc. Elle va lui apprendre. Hop, puis elle pourra peut-être un nouveau point. Ce sera cool. Le travail de Courtney commence dans 1 heure, donc elle a le temps de faire ce qu'elle est en train de faire. Et après, Naoki va donner un bain à Chelsea parce que elle a toujours faim, mais elle a pas mangé ou quoi? Elle a fait quoi de ses céréales? Bon, c'est grave. De toute façon, elle va être mise à la garderie après parce que Courtney va pas tarder à aller au travail. Et Naoki a bien tout le travail aussi. Donc c'est pas très grave, je pense qu'elle va s'occuper. L'aîné Comélie se demandait si je voulais lui rendre visite et passer un peu de temps avec lui. Bah ouais, tiens. Naoki veut y aller avant d'aller au travail. Tant qu'à faire. Il va aller faire ça. Il va aller rendre visite à Len. Ok, Naoki vient d'arriver. Il vient voir Len. Qui est genre un peu son meilleur pote. Il va le complimenter sincèrement. Il va lui faire un câlin aussi. On peut lui faire un câlin à Len? J'aimerais faire un câlin à Len. Genre dans la vraie vie, genre Len. Work it, câlin. Demander de vivre ensemble. Ok, peut-être pas. Il va l'enlacer. Parce que c'est son meilleur pote. C'est pas vraiment son meilleur pote. On peut lui demander d'être meilleur pote. Mais il est meilleur pote avec Courtney, donc sinon ça va genre jarter le truc de Courtney, je vais te faire ça. On va se renseigner sur sa carrière. Ça va, Len? Ouais, ça va, écoute. Je suis content que tu sois venu parce que t'es jamais venu chez moi en fait. Non, Courtney était déjà venu, mais moi non. Ouais, c'est cool que tu sois là. Tu as rencontré mon frère, Pan. Je crois que je connais Pan déjà. Pas très bien, mais je le connais, attends. Ah non, je connais pas. Bah, j'ai pas envie de le rencontrer. Enfin, désolé, ça fait un peu connard, mais. Il y a des trucs cool à faire à deux chez toi? Crac crac. Quoi? Non, pas crac crac. Il a pas de console. Ils vont aller regarder la télé à deux. Ils vont aller s'asseoir là et regarder un film avant qu'il aille au travail. Courtney part travailler. Donc, je supposais que Chelsea a été mise à la garderie. Ou pas. Elle est triste, mais elle a pas été mise à la garderie apparemment, ce qui est chelou, mais. Chelsea. Ah, si, ok. Chelsea a été mise à la garderie. Elle reste un petit moment toute seule à la maison, mais. Hop, ils vont regarder ça. Ok, Len, vous avez 24 heures pour payer vos factures avant que l'électricité soit coupée. Oh my god! Oh my god! On va payer les factures vite fait. Yeah, c'est fait. Ok, on a perdu un peu d'argent. Pour venir, Naoki regarde la télé chez Len et Pan. Et personne ne regarde avec lui. Ce qui est genre un peu genre, ok. Ah non, sois pas triste à cause du film, hein, Naoki. C'est pas le but. Il part travailler dans 1 heure environ. Le film, c'est fini. Il est heureux parce que le film était intéressant. Ouh, c'est cool. Ok. Y a rien de très intéressant à faire chez Len, c'est ça le problème. Donc il est juste là en train d'attendre d'aller au travail. Donc Naoki part au travail. Je sais pas ce que ça me ramenait sur leur terrain. J'espère. Ok. Ça me ramène sur le terrain. Heureusement parce que sinon je vais dire je suis coincé chez Pan. Ok, ils sont tous les deux partis travailler. Courtney, elle rentre à 17 h, il me semble. Ok, un message. Qu'un message. Hugo Badgalsi, félicitations pour cette grosse promotion au travail est totalement méritée. Ouh, ok, merci Hugo. Faudrait que je vois Hugo, ça fait longtemps. Ok, elle rentre à 17 h, je retrouve quand elle rentre. Oh, elle rentre à 18 h, oups, elle rentre à 18 h.
Ouh, elle vient de rentrer, elle a ramené 3000 simflouz. Ce qui est cool. Chelsea, elle est rentrée de la garderie. Elle a toujours pas eu de divertissement de fuck. On va lui rajouter des cubes. Vous savez, pour la compétence, je sais pas quoi, là. Ok, ça doit être ça, je pense. Ouais, ça doit être ça. J'allais dire, je peux pas les mettre par terre. J'allais dire. Bitch. Elle va les empiler. J'espère que ça va lui donner du divertissement. Alors, elle est un peu dans le mur. Et dans le rideau, mais... Ouais, ça lui donne du divertissement. Donc, elle va jouer avec ça. Elle va améliorer sa compétence. Courtney, elle va rentrer. Elle va préparer un nouveau repas pour ce soir. Elle va préparer des ensaïmada. Je sais pas si vous vous souvenez des ensaïmada. C'est au début de la série, elle était partie au festival. Quand Naoki vivait pas encore avec elle. Et elle avait appris à en préparer... au festival, ou je sais plus s'il y avait juste été un stand. Et elle a appris à en préparer. Donc elle va préparer ça. En espérant pas mourir, parce que certaines recettes, je sais qu'ils font mourir. Donc top 10, des trucs que je veux pas qu'il arrive. Elle va faire ça, et puis prendre une douche. Elle va sûrement prendre un dans son inventaire, mais c'est pas très grave. Elle est fatiguée aussi. Ah non, elle va encore rebugger avec son ensaïmada. Enfin, ok, elle va pas prendre une douche. T'as fait quoi ton ensaïmada? Ok, mange. Et annule l'action, comme ça elle va la poser. Oh my god, t'es obligée de la manger, bitch. Ok, bon, mange ton ensaïmada. Tant pis, elle a faim. Ok, c'est bon, vas-y, arrête de le manger. Le garde pas dans ta main. Va prendre une douche, tu mangeras avec Naoki quand tu rentreras. L'ensaïmada, ça a l'air bon. On dirait un peu des choux avec de la crème dedans. Comment ça s'appelle? Des foufounes? Non, c'est pas ça. Les noms des petits. Bah, des choux à la crème, simplement. Pourquoi j'essaie de trouver un nom genre super compliqué? Ça s'appelle sûrement des choux à la crème. Elle est en colère parce qu'elle est fatiguée. Courtney, elle a. Bon, elle s'est assez douchée. Elle va lire une histoire à Chelsea pour l'endormir. Et est-ce qu'elle va aller faire une sieste? J'aimerais bien qu'elle puisse sortir avec Naoki en boîte ce soir. Ou même sans Naoki d'ailleurs. Juste qu'elle puisse sortir. Donc on va lire une histoire à Chelsea pour qu'elle dorme. Ça prend jamais très longtemps, mais ça augmente toujours un peu ses compétences, ce qui est toujours un petit plus. Elle s'est endormie avec les yeux ouverts. C'est pas grave. Elle va aller faire une sieste. En attendant que Naoki. Ah bah, Naoki vient de rentrer. Naoki ramène pas beaucoup de thunes à la maison, mais c'est pas très grave. Naoki va aller aux toilettes. Tranquillement. Manger une ensaïmada. Un ensaïmada. Prends une portion, en tout cas. Bon, ça, Courtney, elle se repose un petit peu. Comme ça, ils vont pouvoir sortir. Ou que Courtney. Je sais pas si que Courtney va sortir ou ils vont sortir à deux. Je pense que Courtney va sortir parce que Naoki, il est pas mal sorti dernièrement. Et tout seul, en fait. Ah bah, elle a un appel. Allô? Druv 24 avant de venir passer du temps ici, êtes-vous d'accord? Non, Druv, je vais sortir, en fait. Désolé, Druv, bye. Bon, Naoki a su manger. On va mettre les. Je veux dire, les 24 catamarans, c'est genre le nom de. On va mettre les ensaïmada au frigo et il va aller dormir. Elle va se réveiller, elle va aller manger une ensaïmada. Oh my god, il y a quelqu'un qui crie devant chez moi. C'est un vampire. C'est un vampire. Top 10 des gens à qui j'ai pas envie de parler. Top 10 des gens que j'ai pas envie qu'ils se transforment. Courtney. Courtney, debout, réveille-toi. Courtney, elle va manger un truc. J'espère que le vampire est parti. Parce que je sais pas si vous avez regardé mon Let's Play Murder, qui est genre super fun. Honnêtement, si vous le regardez pas, allez le regarder. Dans mon Let's Play Murder, il y a genre vampire qui est venu sucer le sang de celle qui devait mourir. Donc voilà, c'est pas grave, elle est un pas plus proche de la mort. Mais je veux pas qu'elle meure en étant vampire. Même si c'est une des morts que j'aimerais bien avoir. Ce serait cool. Ok, Courtney a mangé et elle va faire une sortie. On va pas sortir seul, on va inviter des amis. On va emmener Glibglou. J'aime vraiment bien Glibglou, c'est devenu un de mes personnages préférés de la série. J'hésite même à lui faire une série pour elle toute seule à Glibglou, genre où elle ferait plein de conneries. Mais je le fais pas encore maintenant parce que je sais pas où est-ce que je pourrais mener cette série-là. Donc peut-être faire genre une série genre Glibglou contre Mousse, vous savez, où genre tous les trucs, l'une essaye de faire mieux que l'autre, ou... Je sais pas, j'ai quelques idées, je sais pas si je les ferai, mais on va pas emmener Romain parce que... On va emmener Chelsea. Alice, je sais, il faut qu'elle... rajeunissent, ça n'a toujours pas fait. On va l'emmener, je vais la faire rajeunir au passage. On va ramener Hugo. Pourquoi pas Bjorn? Elle est devenue amie avec Bjorn. Ok, pas Noki. Milkshake. Quelqu'un m'a fait remarquer que dans mon Let's Play sur Sims 3, sur mon ancienne chaîne, Milkshake avait déjà été rajouté au jeu. Et Mousse, à ce qui paraît, lui avait donné des claques. Genre l'avait giflé comme je sais quoi. Donc, on va pas prendre Mousse si on prend Milkshake. Et ce sera tout. Ils s'en trompent déjà beaucoup. Ok, go! Ok, Courtney vient d'arriver et j'ai fait rajeunir Alice parce que c'était un peu chelou. Et ils vont aller danser. Ils sont allés à leur boîte préférée pour une fois. Courtney va aller commander des boissons pour tout le monde. Commander des boissons. Une boisson? Ah, pour le groupe, ok, je cherchais ça. C'est quoi le plus cher? Mer de feu, on va prendre ça. On va prendre plouf. On va prendre plouf. Ok, Courtney, qu'est-ce que tu fais? Courtney, elle passe par derrière parce que tout est normal.
Elle va commander des boissons pour tout le groupe. Elle va papoter avec Milkshake en attendant. Tu m'as commandé une boisson? Ouais, j'ai commandé un plouf. J'ai pris un plouf pour tout le monde. Je sais pas dit que je voulais un plouf. Mais ouais, mais t'auras un plouf. Tout le monde aura un plouf. Ok. Salut. Salut, je t'ai jamais vu dans le groupe de contenu. Pourtant, j'étais un de ses premiers potes. Je m'appelle Bjorn. Même que, genre, j'étais jamais vraiment son pote quand elle me parlait. Et quand on a arrêté de parler, on est devenu genre super méga potes. Oh my god, elle parlait avec tout le monde en même temps. Je savais même pas que c'était possible. Elle parle même avec la bar girl qui est Jeanne Dumont. C'est pas une abonnée. Wow, tout le monde a un verre, yay. Oh my god, laissez-moi en prendre un s'il vous plaît. C'est moi qui ai payé. Je peux en prendre un? Je sais pas pourquoi je le prends pas. Ok, j'ai remis que je vais aller prendre mon verre. Je sais pas pourquoi, je le prends pas. Ok, Courtney, arrête de parler à tout le monde, va prendre ton verre là. Où est passé Gliblou? Mais juste là. Je suis toujours là. Comment tu fais pour pas me voir? Tu veux pas bouger tes seins de mon visage? C'est genre deuxième sortie qu'on fait ensemble après la piscine, qui fut déjà choquant. Et t'es beaucoup dans mon visage. Oh, ça va, je me déplace. Ouh, 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 ouh. Qu'est-ce que tu fais, Gliblou? Je fais l'oiseau parce que tu sais, mon nez, c'est comme un bec. C'est génial. Ok, je vais arrêter de parler, j'aimerais aller prendre mon verre. Oh my god, ça va finir par me saouler. Je vais finir par le prendre, genre, dans mon inventaire. Bon, fuck ce verre, j'arrive pas à le boire, ça me saoule. J'ai annulé l'action. Boire, c'est mon verre, je crois. Mais il est où mon verre, alors? C'est celui-là? Ah, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être parce que Bjorn, il boit l'autre. Quel est mon verre? Oh my god, c'était pas mon verre. Oh my god, désolé. Je vais me rasseoir. Oups. Tout à l'heure, ça doit me piquer mon verre. Oh mon dieu. Marita, j'ai rajouté dans le groupe? Bah ouais. J'avais complètement zappé. Désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Ma copine est venue aussi, elle est là-bas. Moi, je suis à l'ordinateur. C'est génial, cet endroit, vous avez vu? On peut pas te voir, Gliglou, il y a un mur. Regardez à travers. Wouh. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur l'ordinateur? Je m'occupe de la réception. Oui, bonjour. Alors, le club ne prend pas... Au revoir. Oh, le téléphone sonne. Oui, allô? Au revoir. Ah, j'adore un nouveau boulot de réceptionniste. C'est vraiment génial. Aujourd'hui au club, nous avons beaucoup de gens qui sont venus. Courtney, une des participantes à la soirée, n'a pas réussi à boire sa boisson. Quelle teubée, elle essayait de voler la boisson de Bjorn. Pop. T'adores mon nouveau roman. Vu qu'elle a écrit un livre sur moi... Casse-toi, bitch. Je suis en train d'écrire. J'attends maintenant que le téléphone sonne, afin de pouvoir répondre à ce dernier. Ok, arrêtez de passer devant et dites-moi bonjour au moins. Madame Bjergsen, je vous ai reconnu. Quel ennui. Si seulement il y avait une chouette fête dans la pièce qui est juste à côté. C'est pas Hugo Bagdati? Ah non. C'est Bad Gal, si. Ta gueule, là, Hugo! Je t'entends d'ici. Ok, j'ai fini mon travail, c'est vraiment de la merde. Le ventilateur marche même pas. Quelle vie de merde! Je suis contente qu'il y ait de la musique. Et ça vous dirait qu'on a tous dansé? Oh my god, y'a Len. Je peux pas le rajouter au groupe, je sais pas parce que mon groupe est sûrement plein. Ou je peux? Oh my fucking god, bitch. Et je vais aller parler à Ira. Qui est en train de s'éclater. Je vais avouer ma peur des vampires. J'arrive pour danser. Je suis tellement prête pour cette soirée de folie. Ouh. Je l'avais vu du coin de l'œil avec son frère. Whoop whoop. Assassin de la pourquoi police. Ok, arrête de crier, Gliglou, j'entends même pas la musique. Fais pas genre, les fontaines sont trop fortes. Écoute ça. T'entends ça, c'est les fontaines. On entend que ça. Je pense à donner à boire à un bambin. Même pas ma fille, juste un bambin. Y'a Bridget Jenny Grimes qui s'éclate là-bas. Jenny Grimes, je sais pas, elle est super belle. Je sais pas si c'est une des filles qu'on voyait pas beaucoup dans la série. J'essaie de trouver hein, vos abonnés, mais. Puis Burly Fireman. Je regarde un petit peu les Sims qu'il y a. Tisana Fireman. Ariel Miss 21. Cat Beauty Emma. Soma Katarina Abadi. Surtout s'il y a vos Sims que vous voyez. Cool pour vous. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Navia Sri Vasana Vna. Ok, bon, j'ai essayé de danser, j'ai quand même une fille, etc. J'ai bu et tout ça. Je vais dissoudre la bande et rentrer chez moi. Ouh, on peut aller regarder les étoiles, genre, tous ensemble. Non, on peut juste aller ici ensemble. On va pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Toute seule, par contre. Parce que je commence à être fatiguée. Pardon, pardon, pardon. Ah, Milkshake, tu rentres aussi? Ouais, je suis crevée, là, mais c'était une bonne soirée, à plus. Ok, à plus, à la prochaine. Faudrait que j'invite Milkshake, c'est moi, un de ces quatre. Milkshake et moi, c'est pas facile à dire. Ok, Courtney vient de rentrer, il est 4h du matin, Naoki est en train de s'occuper de sa fille, je sais pas pourquoi, il est toujours debout. Naoki, il était supposé dormir. Pourquoi? C'est parce qu'elle a très faim. Oh my god, il faut plutôt qu'elle aille sur le pot en fait. La mets pas là, elle va faire dans sa couche, et c'est pas le but. Oh my god, yeah, elle y va.
Oh, yay, elle y va. Oh, mais elle a super faim. J'espère qu'il n'y a pas les services sociaux qui vont venir pour la prendre. Parce que c'est pas le but. Non, ça va, on a 18h. Comme ça, elle apprend à aller sur le pot. Ce qui est toujours un petit plus. Je sais pas les niveaux combien en pot. Oh, elle va être niveau 3. Ok. Yay, elle est sur le pot. Yay. Chelsea maîtrise le pot et tu traites désormais toujours le pot au lieu de la couche. Ok, cool. Attendez, donc c'est fini. Oh my god, en fait, il y en a qui sont seulement niveau jusque niveau 3. Donc c'est trop cool. Donc le pot, elle aurait plus besoin d'apprendre ça. Oh my god, trop génial. On va lui donner... On va pas lui donner à manger par terre. Il va lui donner à manger là. Ça fait quoi donner à boire? J'ai jamais fait. Ouais, c'est ça. On va lui donner du lait. Je sais pas si ça va le nourrir, mais... Hop, Chelsea a très faim de celle-là avant qu'elle ne vous soit retirée. Oui, 5 secondes. J'arrive. Ok. Je vais mettre Chelsea sur sa chaise. Et je vais nettoyer ça. Il faut... Ouais, il faut aussi que je mange, mais il faut aussi que je dorme. Donc après, je remettrai... Chelsea au lit, parce que. Ouais, elle est plus très fatiguée, mais quand même. Ça la nourrit de prendre ça. Ouais, ça la nourrit de prendre ça. Bon, moi, c'est cool. Je veux juste qu'elle ait genre comme un petit goûter avant. Avant sa petite sieste. On va lui raconter une histoire avant pour l'endormir. Pour le coup, Naoki est déjà réveillé. Il s'est réveillé super tôt. Courtney va dormir pendant un petit moment. Naoki a pas boulot et. Ah si! Ah, il est toujours boulot! Parce qu'il est seulement niveau 6, alors il a très souvent boulot. Bon, il va raconter une histoire. Il pourrait avoir une promotion aujourd'hui, donc il va étudier l'adversaire après. Avant de manger, et après il ira manger, je pense. Bon, je vais d'abord le laisser faire ça. Hop, elle est endormie. Et il va aller. Clic, web. Et étudier les adversaires. Il va faire ça. Il n'aime pas même la chambre, parce que c'est sale. Il n'y a rien de sale dans la chambre. Il peut les ranger. Non, même pas. Bon, je sais pas pourquoi. Il va étudier les adversaires, et je le retrouve quand il aura fini. Le téléphone de Courtney sonne. Alice, Mr. Kim. Hey, j'ai envie de sortir de chez moi. T'as dit qu'on allait prendre un petit déjeuner au restaurant Happy Days Dinner. Désolé, Alice, mais. Oh, quoique. Allez, go. Je vais y aller avec Naoki en plus. Non, je travaille. Oh. T'es sûr? Ouais, vas-y, profite d'une sortie avec ta pote. Ok. Je vais y aller avec des potes filles alors. Comme ça, on va se faire une sortie entre filles. J'en ai Marietta et Milkshake. Je veux dire des filles normales. J'en ai. Alors. Milkshake. Donc, mousse avec... Oh, Manon Riverside. Je m'entends bien avec... Ok, on va emmener aussi Manon Riverside. Putain, waouh, parce qu'elle a l'air à parler bête. Bon, les voilà arrivés. J'avais pas prévu de faire autant de sorties. Oh my god, elles sont 5. Oups, elles étaient supposées être 4. Merde, je crois pas qu'elle tape pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, si, ok, il suffit de demander cette table. Ok, elle va demander une table pour aller toutes ses copines. Et comme ça, elle va essayer de se faire de nouvelles amies, vous savez. Elle va genre leur parler, etc. Donc, ce serait cool parce qu'elle a besoin de nouvelles amies. Ça fait longtemps. Kimberly Fireman avec Benjamin Fireman. Aurélie Richard avec Romain Richard. Hop, elle va prendre une table. Ok, elles vont toutes s'asseoir, donc elle va s'asseoir aussi. Faut que vous ayez à votre table. Ouais, j'arrive. Ah, Milkshake, elle veut déjà discuter avec moi. Oh, on peut pas s'asseoir. Ok. Ah, si, si, ok, je m'en sors. 1, 2, 3, 4. Alice, elle est où? J'arrive, j'arrive. J'étais aux toilettes. Ah mince, tu veux passer par là? Attends. Je vais me décaler. Voilà. Pourquoi on n'est plus en groupe, au fait? Action. Non, si on est toujours en groupe, mais il n'y a pas vos icônes, je sais pas pourquoi. Alors, je vais commander pour la table. Oh my god, c'est qui ce BG? C'est Bjorn. Oh, pardon, faut que j'arrête de mater. Je suis en couple. Je suis un peu fiancé, regardez ma bague. Ok, qui veut quoi? Pour le petit déjeuner, il y a des espressos, des cappuccinos, des americanos et du café. Moi, je vais me prendre un espresso parce que ça m'a l'air genre super fancy. Ouais, je veux pareil. Ok, Marietta, alors pareil. Qui veut un cappuccino? Il n'y a pas de milkshake? Non, milkshake, il n'y a pas de milkshake. Ok, bon, je vais prendre ça. Oh, bah moi aussi, je vais prendre ça. Ok, vous prenez tous ça. Et bah pour le coup, toi t'auras un café. J'ai oublié ton nom, mais t'auras un café. Ça marche. On va tous prendre un petit déjeuner. Donc, petit déjeuner, c'est plus ce genre de truc. Moi, je vais prendre un croissant. Moi, je veux un croissant. Ok. Moi, je vais prendre un baguette aux oignons. Non, top 10 de baguettes que je veux pas. Je vais prendre un baguette comme ça. Après, il y a les desserts aussi qu'on peut faire pour petit déjeuner. Il y a des barres au citron. Il y a beaucoup de trucs au citron. Un beignet fourré à la crème. Alice a l'air d'aimer les beignets fourrés. Wink wank. Un beignet au sucre glace pour milkshake. Milkshake, elle aura ça. Et cupcake, ce sera pour elle. Donc j'arrête pas d'oublier le nom. C'est quoi son nom? Manon. Ok, Manon. Ok, milkshake, Manon, Marietta, Alice et Courtney. Bonjour, je vais pouvoir prendre votre commande. Jackson Kiarasen. Super BG avec plein de muscles. Ok, donc je vous ramène tout ça. Ok, merci. Oh, ça va voir là. Merde. Oups. Pardon. Pardon, monsieur dame. Faut que je vais chercher tout ça. Il y a Papillon Fireman qui est là. Qui a fait un choix de rouge à lèvres.
qui fut un choix. Ouais, ils vont attendre leur nourriture tranquillement pour prendre leur petit déjeuner ensemble. Et c'est super cool. Je voulais qu'elle fasse une soirée entre filles depuis très longtemps. Et des fois, elle a fait un petit déjeuner parce que Alice les a invités. Elle va discuter avec un petit peu tout le monde. Ouh, on a eu les 100 000 simflouz. On va pouvoir construire la maison dans le prochain épisode. Woup, woup, woup. Je sais pas si je le ferai directement dans le prochain épisode parce que je vais attendre peut-être encore un petit peu parce que faudra que j'ai la motivation parce que ça va prendre longtemps à faire. Ouh, on vient d'apprendre que Manon est sans emploi. Ouais, Manon, bienvenue au club. C'est qui chante super bien là? C'est elle? Chantal Fort, waouh. Sinon, elle chantait, il pourrait peut-être aussi nous servir. Ouh, attention, il y a Enar, Jenny Grimms. Yes, oh, je pensais qu'elle venait dans cette direction de faire yes, yes, work, work, yes, quand il marchait. Oh, on voit Nyoklok. C'est qui le mec roux? J'ai vu un roux. C'est rare, les roux. Patrick Richard. Oh, il est encore de la famille de Romain. Il y a un enfant, Léo Jenny Grimms. Il y a beaucoup de Jenny Grimms dans le coin, ouais. Sinon, on est servi genre bientôt ou genre jamais. Chaque fois, il y a toujours des restaurants qui sont buggés, donc je suppose qu'il faut juste attendre. Et est-ce qu'ils sont dans le background, toujours? Ok, va falloir m'expliquer Courtney, parce qu'elle a confortablement installé. Ça, c'est du confort, au point de donner envie à une sim de rester assise toute la journée. Et à côté, elle a mal installé. Aïe, c'est comme s'asseoir sur des pierres. Bitch, faut savoir. Je suis tellement blasé d'attendre pendant si longtemps que j'ai rien cuisiné et j'admire leur travail de pro, où ils font genre tout cramer. Y'a pas tant de monde que ça en plus. Marie-Thel en a eu marre, elle part en toilette. Elle va pleurer tellement elle veut son petit déjeuner. Il est midi 22, ça va même plus être un petit déjeuner. Alice se barre. Alice elle rejoint Marie-Thel aux toilettes, ce qui est un peu chelou. Ah littéralement, Vous êtes passé où les filles? Ok, donc je suppose que Alice et Marietta sont parties. Ah non, elles sont là-bas. Faut que j'y rajoute au groupe ou... Ah non, ça va. Ok, ce restaurant est buggé. Ils vont aller ailleurs entre filles. Elles vont aller au parc. Je vais jamais au parc, donc pourquoi pas. Ok, bon, elles viennent d'arriver au parc. Je sais pas tout ce qu'elles vont faire ensemble au parc. Elles vont peut-être aller pêcher. Y a pas de trucs super méga génial à faire au parc. Faudrait que je modifie le parc et que je rajoute des trucs. Pour l'instant, je pense qu'elles vont juste... Est-ce que c'est pas plus beau, genre, d'aller pêcher là-bas? Oh, si, c'est cute. Elles vont aller pêcher là-bas. Comme ça va leur faire une petite activité entre filles. D'aller pêcher, c'est un peu chelou comme activité entre filles, mais pourquoi pas. Toute la troupe est en train de suivre. Il nous manque Manon qui est restée là-bas au bout, je ne sais pas pourquoi. Ah, Patrick m'a pêché, Marietta se met à pêcher. Mickshake arrive pour pêcher. Alice arrive pour pêcher. Il nous manque que Manon. Manon, elle est où là? Manon! Ok, apparemment Manon ne voulait pas pêcher au point où elle s'est cassée. Parce que je ne la trouve plus. Ah si, Manon était partie aux toilettes, ok, je sais pas si elle va venir pêcher pour le coup. Non, elle part jouer aux échecs, ok, chacun son délire Manon. Oh my god, le poisson qu'elle vient d'avoir, Courtney, the fuck. Mais pêche tous, c'est super cool truc, et genre, moi j'ai juste chopé un super fadas poisson. Genre un poisson de thon, bon c'est commun, mais... Il vaut rien, oh my fucking god, il vaut rien ce poisson. Ouh, bon pendant que vous pêchez, moi je vais aller faire un truc au barbecue. Il est où? Ah, je vais faire un truc au barbecue. Faire griller. Ouh, je peux faire la plein de trucs. Des brochettes de viande, j'espère que personne n'est végétarienne. Parce que bitch, faire des brochettes. J'espère que vous êtes prêts pour ça, elles vont être super délicieuses. Oups. Et puis je crève la dalle, c'est surtout pour ça que je veux faire des brochettes. 23 simflouz des brochettes, c'est un peu cher. Ah, Courtney a cuisiné ses brochettes de viande. Elle va aller les poser et sûrement prendre une assiette. Ah non, même pas. Elles vont prendre une portion ensemble, donc j'espère que Manon va arriver. Au passage, ce serait pas mal. Courtney est déjà crevée, parce qu'il est 16h, elle a passé toute la journée dehors littéralement. Et vu que personne n'a pu manger. Je sais pas où est Manon, je sais pas si elle va arriver. Elle était en train de jouer aux échecs là-bas. Ah si, elle arrive. J'allais dire, ouais, c'est normal, elles sont pas les couilles, Manon. Marietta, t'es pas obligée de manger debout, tu sais. Ouais, j'essaie, mais bon. J'aime bien manger debout, comme ça j'ai l'impression que j'irai aux toilettes plus vite, parce que ça fait genre blam blam dans mon corps. Genre, regardez le curseur. Blam 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 blam. Ok, c'est une idée. Ok, pardon, désolé, je suis un peu en retard. Je vais manger là. Il reste une place, littéralement juste là, Manon. Non mais t'inquiète, je suis bien là-bas. Yum yum yum. Tu te mets trois par toute seule, Manon. Hein. Je sais pas c'est quoi ton problème, mais... Je suis pas très sociable. Sans déconner. J'espère que vous aimez bien, parce que la qualité, elle est excellente. Donc, je sais pas si c'est la plus haute qualité, mais... Bon bah moi, je vais m'asseoir, j'avais laissé la place pour Manon, mais... J'avoue qu'à quoi bon laisser la place si elle va pas venir s'asseoir, quoi. En tout cas, c'est cool d'être venu au parc ensemble et tout. Il y a un SDF, Alan Jenny Grimms, qui vient... Oh, il prend une part, d'accord. Donc désolé, Jane Grimms, un T-Sims est devenu SDF triste. Beau gosse, mais SDF triste. Ok, bon, elle a bien mangé. Elle a besoin de divertissement, je sais pas ce qu'elle va faire.
Je vais aller regarder les nuages moi aussi. Pourquoi je peux pas le faire? C'est nul. Marietta, je regardais les nuages avec toi. Bah demande-moi. Ok, je vais faire ça quand j'aurai fini mon repas. Attends. Il y a écrit quoi? Ouh, prise incroyable. Ok. Plat délicieux. J'ai pas mangé mon poisson aussi. Ah si, j'ai mangé. Bon, il valait rien de toute façon. Pouh. Je suis blasé parce que j'ai une conversation de merde. Ah, la beauté de l'univers. Ouais. On est super synchro. Ouais. T'as tout à me dire? Non. On regarde même pas le ciel, il y a des... Il y a un arbre au-dessus. Fais comme si c'était pas le cas. Ok, bon, ça fut une bonne journée, mais... je vais rentrer chez moi, il est temps. Je suis fatigué et j'ai besoin de prendre une douche, etc. C'était une bonne journée en tout cas, plus les filles. Ok, bye. Attends-moi. Pourquoi? Je sais pas, moi. Oh my god, elle a pas genre trop le même habit que... Oh my god, c'est la même tenue. What? C'est qui? Louise Pomy? Oh my god, mais c'est la fille. C'est la fille de Marietta. Elle a mis la même robe, quoi. Cette famille. Cette famille. Alice, je pensais que tu voulais que je t'attende. Non, mais je me casse. Ok, bye. Ok, Maxis, il peut pas arrêter de mettre des trucs dans ses favoris. Parce que c'est genre la quatrième fois qu'ils font. Et genre, ça me gâche mon épisode. Bête. Je suis super mal à l'aise. Il faut absolument que je rentre chez moi. Bon, vous savez quoi, je vais me téléporter parce que basta, bête. Ok, continue de bien rentrer. Celle-ci vient d'être ramenée de... Oh my god, Chelsea bat crapé pute. En plus, je vais aller là-dedans. Ok, faites comme si Chelsea avait pas entendu que je viens de l'appeler crapé pute. Faut que je lui apprenne des mauvais trucs, surtout qu'elle commence à m'en parler. C'est pas bien, Chelsea, the fuck is wrong with you? Je suis dégoûtée. Depuis quand tu parles? Comme mousse en plus. Je l'ai fait parler genre naturellement, ça m'est venu genre, j'ai pas réfléchi. Elle est empilée des formes là. Waouh, me gueule pas dessus et va empiler des formes. T'as même pas envie d'aller aux toilettes, arrête de penser à ton pot. Bah, je me suis beaucoup moins entendu avec ma fille, où ça va? Ou un peu beaucoup moins quand même. Je m'entendrai mieux quand elle grandira, elle comprendra que je l'ai engueulé. Pour l'instant, ça n'a pas trop de sens pour aller là. Non, il y avait de l'eau, j'ai joué avec. What the fuck, maman? Waouh, j'étais super méga pas bien, the fuck. Donc, il travaille pas dur, mais il rentre bientôt, donc travaille à son rythme. Je suis trop crevé, il faudrait que j'aille faire une sieste, mais je vais jouer à un jeu vidéo. Je vais jouer à My Sims Racing. Je suis rentré. Oh, ok, cool. Il y a... Putain, le même fucking fantôme... fantôme. Le même fucking vampire qu'hier qui est genre devant la maison. Vas-y, je passe par la porte d'à côté. Va t'asseoir, Courtney. Ok, désolé, chérie. Ah, ok, putain, ça fait du bien d'être rentré à la maison. Est-ce que demain je travaille? Non, demain je peux travailler. Peut-être pouvoir sortir avec mes potes. Yeah. Je vais manger dans Saïmadas parce qu'elle en a fait, Courtney. Qu'est-ce qu'elle a, Chelsea? Elle en a marre des cubes. Ok, bah dans ce cas, tu vas jouer à autre chose. Va jouer à la poupée. Non, va jouer toute seule. Quoique, son père, il sent comment? Ils sont bien, ils mangent. Quand tu as fini de manger, donc maintenant, elle va lui demander de jouer à la poupée avec elle. Comme ça, ça lui fera une interaction avec son père. Jouer à la poupée avec Naoki Ishikawa. Vous allez voir, jouer à la poupée à deux. Et puis, ça lui apprend des trucs. Ça lui apprend quoi? Ça lui apprend l'imagination. Et elle va avoir son dernier niveau d'imagination. Elle est bientôt au niveau 4 de communication. Oh my god, on va bientôt pouvoir la faire grandir. Je suis trop fucking pressée. Ok, comment est-ce que Courtney se sent? Courtney se sent bien. Oh, elle va s'endormir par terre? Ah non. Je pensais qu'elle allait s'endormir par terre, mais non. Va te coucher, Courtney, t'es super crevée. Elle a eu une très longue journée. Pourquoi est-ce qu'il trouve que c'est le bordel, là, dans cette pièce-là, à chaque fois? Parce que les jouets sont pas dans le coffre? Mais non, c'est même pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a du bordel ici? Je comprends pas. Bon, je sais pas pourquoi il pense ça. Oh, parce que la maison de poupée est sale. Elle peut pas être sale, la maison de poupée. Ça, c'est pas... C'est sale, tu sais. Il est très mal à l'aise, maintenant. Oh my god. Oh, imagination niveau 5! Et pourquoi j'ai pas eu de... Ah, si. Chelsea a tellement développé son imagination, elle peut désormais contempler des œuvres d'art. Oh my fucking god, Chelsea, work it. On va lui apprendre un dernier niveau de communication avant d'aller dormir. Il va lui apprendre à parler, parce qu'elle a presque son niveau, donc on va faire ça juste avant. Oh, elle est heureuse, ça va. Bah alors, pourquoi tu fais pas... de fact. On va faire ça vite fait, parce qu'elle a presque son niveau, et après, hop, on va pouvoir arrêter. Niveau 4. Chelsea peut désormais parler de la fête, parler de son animal préféré et raconter des blagues du type Toc Toc qui est là. Elle peut également apprendre des objets et des cartes de support visuel. Ok, ok, donc il lui manque plus que des niveaux de réflexion, des niveaux de mouvement et des niveaux de communication. On va la mettre à dormir parce qu'elle se sent bien. On croit qu'il faudrait qu'elle aille sous le pot. Bon, elle ira demain matin sous le pot. Et Naoki va aller dormir. Cet épisode va être super long. Je vais lui raconter une histoire jusqu'à ce qu'elle dorme. Ça lui apprend plus rien, mais c'est toujours chouette. Je sais pas si ça lui met une humeur particulière. Non,
juste endormi, ok. Bon, je vais vous laisser pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Désolé que vous en ayez loupé un, mais il était vraiment pas fun, il était vraiment pas cool. Je suis content de l'avoir enregistré, parce que cet épisode 10 fois plus cool. L'épisode que j'avais enregistré avant, l'épisode 22 qui est jamais paru, il restait juste chez eux en fait, tout le temps, il travaillait. Et c'était pas cool. Mais j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, si vous n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à vous abonner ou encore à cliquer la petite cloche pour être prévenu quand je poste une nouvelle vidéo. Et je vous retrouve dans mes prochaines vidéos. Bye!